What? Salut à tous et bienvenue sur Sky Factory 2 et aujourd'hui nous allons faire la suite de l'épisode précédent comme chaque fois en fait hein, parce qu'à chaque fois on a fait la suite de l'épisode précédent. Si vous regardez les épisodes précédents vous le verrez. Et aujourd'hui du coup nous allons tuer l'Under Dragon qui... What? Hey, j'ai supprimé tous les mobs ici pour qu'il n'y ait pas de mobs. Alors si c'est un chunk à slime, ça me fait chier. Par contre, je veux bien ton chapeau, toi. Donne-moi ton chapeau. Ah! Multiplication! Non! Naruto, dégage! Ah! Ah! Voilà. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, nous allons tuer le dragon. La dernière fois, nous étions bloqués puisque j'ai entendu un squelette. Ok, très bien. Puisque ben, ça ne marche pas. Et bien, tout simplement, je me suis renseigné. Et en fait, il suffit de faire comme dans Vanilla. Rajouter des Eye of Thunder pour compléter le gâteau. Tada. Et une fois qu'on a complété le gâteau, on clique dessus. Ça mange une part et nous sommes transférés. Verland avec le petit Thunder Dragon. Oh merde. Du coup ouais d'accord. Donc c'est le vol. Oh, dégage. Ah dégage. Bref on va s'éloigner un petit peu. J'ai envie de prendre des dégâts. Aïe. Du coup bon, allez on va détruire. Ah oh, ça a détruit celui là aussi tiens. On va détruire les petits cristaux de merde à la con, voilà. Hop. En soi, on peut s'approcher, je vois pas pourquoi je m'emmerde à viser aussi loin. Nous volons, je vous le rappelle. Et il y a des nuages là-haut. Allez, hop. Allez, allez. Oui. Allez, oui. Allez. Non, allez. Ah oh, merde, il est descendu le foie. Bon, voilà. À côté, ça marche mieux. Tac, là-bas. Non, je suis beaucoup trop bas. Voilà, très bien. Et il reste ces deux-là. On va s'en occuper. Évidemment. Comme j'avance, j'ai du mal à viser. Et ben voilà, ça a détruit les deux. Et il ne reste plus que l'Under Dragon. Ah, tiens, les mobs pop. Merde! Aïe! Oh, enfoiré! Allez, je vais me mettre en hauteur, je vais mieux viser en hauteur. Ou pas. Hein. Merde. Viens là! Viens là! Voilà! Je sais pas comment je l'ai eu là, mais... Bah, il va plus vite que moi, par contre. Et oh. Tiens, t'es deg. Ah, mais il m'attaque. T'as pas le droit, si. Ah, il y en a... Oh, merde, il en reste un, là. Voilà. Il y en a plus. Tu es trop loin, Bon, voilà, combat relativement facile, je perds pas beaucoup de vie. Oups, je crois que j'ai touché... What? Ah, il était coincé. J'aurais dû l'achever comme ça. Allez, viens, petit Thunder Dragon. Viens. Enfoiré, viens là. Ush. Comment ça, je l'ai raté? Ah, dis donc. Je suis pas très doué, hein. Voilà. Allez! Meurs! Oups, c'était un Underman ça. Allez, mais mon dieu! Je sais pas viser. Tiens, voilà, voilà! Ah!
J'ai essayé de l'avoir à l'épée, mais non. Raté! Bah décidément. Voilà, là il vient droit vers moi. Hop, deux flèches. Allez, petit Under Dragon, viens, meurs. Ah non, fais pas demi-tour! Décidément. Oh, normalement, j'y arrive un peu mieux. Mais écoute, c'est la vidéo qui me perturbe. Hein. Je dois vous montrer que je suis fort. Et voilà, il est mort. Tiens, meurs, meurs, meurs. Tiens. Non, l'XP, l'XP, l'XP. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Bon, je sais pas ce que c'est. What? D'accord, ça disparaît, très bien. L'œuf de dragon, il va me le falloir. Comment on fait ça? Ah, très bien. Mais si je tape dessus, il va se téléporter. Donc ça, c'est pas bon. Je vais faire une petite plateforme. Tout, 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 tout. J'espère que je vais pas le perdre. C'est chiant à faire les plateformes. Voilà. J'ai plus de cailloux. Très bien. Bon, ben, j'espère que ça suffira. On va le faire plus par là. Ah, tiens, le cœur, il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Sert à quoi? À rien, apparemment. Très bien. Ça sert à rien. Ok. Du coup, j'aimerais bien le pousser, mais non, je ne peux pas. Faudrait que j'arrive à le mettre par là. C'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi. Et si je le pousse. Ouais, du coup, t'es pas le positionné là. Faudrait que je pousse vers la torche. Voilà, ça devrait le faire. Il s'est cassé ou... Oh merde. Attends, on va voir. Du coup... Ah! Il est là. Très bien, ça c'est cool. Ah, il va se transformer en adulte. Donc, ok, d'accord. Ok, alors, on va le pousser. J'ai fait une zone exprès pour lui. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, adulte Oud. Donc, non, il va éclore, hein, il va pas se transformer en adulte. Dans 35 000 secondes, bon. 3 500, pardon. C'est relativement long, donc on va pas s'attarder là-dessus. On verra ça au prochain épisode, il aura sûrement éclos d'ici là. Et on va le pousser là où je veux. Voilà. J'ai fait un petit enclos pour toi. Tu vas être très content. Par contre, il va pas pouvoir passer là. On va aller lui chercher un petit caillou. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, tout simplement parce que... un petit caillou. Donne-moi un petit caillou. Tout simplement parce qu'une fois en fait entouré d'eau, normalement je devrais le faire après, mais bon, c'est pas très grave, ça devrait marcher. Une fois entouré d'eau, il va pouvoir naître en dragon d'eau et non pas en under dragon basique. Donc on va essayer de ne pas le faire tomber dans. Voilà, comme ça. Water Dragon. Du coup, ici, il est bien positionné, mais on va quand même le pousser. Ah. Allez. Sur la plateforme en bois. Très bien. On va casser le caillou parce que sinon, c'est pas beau. Et je préfère quand c'est beau. Voilà. Et nous avons notre œuf de Water Dragon. On va attendre qu'il éclose. Pas dans cet épisode, évidemment. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de faire autre chose. Puisque du coup, hop, les quêtes. Les quêtes, les quêtes.
Du coup, hop, hop, hop. Alors, le Diamond Seed, je l'ai fait, hein, Magical Crop, c'est bien 5 minutes, mais c'est chiant à force, donc j'ai fait à part. C'est relativement facile, hein, des Ivichos entourés, enfin, une seed avec des Ivichos comme ça en croix et du Diam sans X. Bon, voilà, très bien. C'est point croix X, voilà. Donc, Travel to the Deep Dark, c'est fait. Travel to the Hunt, c'est fait. Kill the Dragon, c'est fait. Hatch a Dragon Egg, c'est fait. Et ensuite, nous attaquons l'Age of Power. Donc, du coup, tout ce qui est RF et tout ça. Avec Big Reactor. Très bien. Alors, je ne sais pas ce que c'est passif et actif. Mais le reste, je sais. Donc. Enfin, je sais. Non, je ne sais pas. Hein. Clairement, je connais rien à Big Reactor. Je sais juste que Big Reactor. Je sais juste à peu près comment ça marche. Je sais juste qu'il va me falloir des réacteurs glace. Les turbines, je sais pas à quoi ça sert. Yellorium Fuel, il va m'en falloir aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il va me falloir deux réacteurs access. Et un contrôleur, c'est ça, un réacteur contrôleur. Donc on va commencer. Ah oui, avec des réacteurs casing aussi. On va commencer par les réacteurs contrôleurs. Bah, du coup, on va commencer par les réacteurs casing. Et il me faut du graphite bar. Il me semble que c'est facile à faire. Et du yellowrium. Graphite bloc. Ou en faire. Faut faire fondre du charcoal. Très bien. Du charcoal ou est-ce que faire fondre du coal ça marche aussi? J'en ai pas un de libre, j'ai pas envie de le vider, merci. On va voir, on va faire fondre du coal. Ça peut peut-être marcher. Oui, Caroline, oui. Voilà, donc hop. Faisons fondre du charbon. Oui, ça a l'air de marcher. En attendant, on va casser un peu. Et voir. Hop. J'ai perdu ma hache, mais c'est pas grave. Dégage. On va faire fondre du bois un petit peu. Hop, ça c'est fait. Toi, on te casse aussi. Tac, tac, tac. Il me faut du bois, hein, donc écoutez, soyez patient. Parce que du charbon, j'en ai pas des masses. Je peux en avoir avec les essences, c'est ce que je vais faire aussi, mais il va m'en falloir sûrement plus. Je sais pas combien il va m'en falloir, mais on va prendre tout ce qu'on peut. Donc le charbon ici, ça je sais toujours pas à quoi ça sert, je vais peut-être le poser. Voilà. Hop, les seeds. On va les replanter. D'ailleurs, elle m'en reste. Il y en a une ici. Voilà. Et une là-bas. Là. Merci. Donc, du charbon, du charbon, du charbon. Ici, comme ça. Et c'est comme ça. Oui, comme ça. Voilà, ça m'en fait 12. C'est pas fameux, fameux. Qu'on va poser là. Hop. Donc toi, qu'est-ce que tu dis? 9 graphite bar. On va poser ça aussi. Et à côté, on va faire fondre du bois. Hop, donne-moi un peu de lave, s'il te plaît. Tac et tac, voilà. Donc nous avons 11 graphite bar. Il va me falloir du yellowrium. Yellowrium, j'en ai pas beaucoup. Donc ça va être un peu chiant à faire, ça. Ça, je prends ça, hop, hop, hop. Et pour. Ah, mais si, en fait, j'en ai. Si, si, j'en ai pas mal. J'ai pas mal de plantations. C'est vrai que j'avais fait la mise à jour. J'ai bien fait d'en planter beaucoup. Hein. Parce que, à mon avis, j'en avoir besoin de pas mal. Voilà. Hop. Tac, 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 voilà. Yellorium, comment ça se fait? Ça se fait, tac, tac, tac. Non, c'est comme ça.
Ah ou. Ah d'accord, ça te fait directement les... Bon, ok. En or, ok. Pas mal. Du coup, je vais peut-être pouvoir le dédoubler. On va voir ça. Ici. Je sais plus si ça dédouble ou pas. Je crois pas. Hein. On va poser ça, on va faire fondre. Pendant que ici, le graphite continue. Oui, ça continue, très bien. Ici, du charcoal. En soi, hop, hop, on va vider ça. On va se prendre un autre seau de lave, encore une fois. Ah, c'est pas optimisé tout ça, hein, mais ça viendra un jour. Là, je vais bientôt avoir les RF qu'il me faut, et du coup, ça va être relativement plus simple. Hop. Le charcoal ici, on prend le graphite. On va voir comment est le yellowrium. Ah, ça ne fond pas, très bien. Le yellowrite ne fond pas. Du coup, hop, on va le mettre ici. Voilà. J'ai bien fait de regarder, sinon j'aurais attendu pour rien. Le mec il s'emmerde. I'm Boeing! Non, je suis pas ennuyant. Non, c'est quoi? Du coup. Oh, regardez! Eh, t'as cassé ma plante? Ah non, tu m'as fait peur. Voilà. N'importe quoi. Donc on a dit, le yellowrite, c'est bon, je pense. Non, c'est ici. Voilà. Il en reste un, c'est pas très grave. Hop. Hop. Voilà, on va remettre le bois. On prend le graphite. Et on va planter ça. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Voilà, je vais planter parce que sinon ça va jamais repousser. J'ai pas besoin de tout ça. Ah, du bois encore. Hop, on plante là. On plante là, j'ai dit. On plante là! Et là, voilà. On va poser le petit bois qui va bien. Ici, le petit bois des familles. Et nous allons crafter. Crafter. Oui, mais non. Ici, voilà. Alors, comment on a dit que ça se faisait? Réacteur casing, il va m'en falloir un max hein, de yellowrium. Donc, du graphite et iron. Alors, on va faire plutôt par là-bas parce que je vais pas changer le craft. Voilà, ça, je m'en fous. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. On va mettre le yellowrium ici et ça ici. Du coup, ça m'en fait 16. Qui est déjà un bon début. Alors, pour faire le réacteur, il me faut deux yellowrium que je n'ai pas, évidemment. Du diamant et de la redstone. Alors, on va prendre le diamant. On reste pas beaucoup, hein. Est-ce que j'ai pas du yellowrium déjà? Non. Non, j'en ai pas. D'ailleurs, je vais pouvoir. Non, je vais pas pouvoir le planter. Attendez, comment ça se fait le yellowrium? Parce que j'ai réussi à le faire déjà avant. Yellowrite, pyroté, ouais, on s'en fout. Yellowrite. Ah, ça se fait avec du yellowrium dust. Est-ce que j'en ai pas du yellowrium dust? Possible, hein. J'en ai 7. 7. C'est bien ça, 7. Ça me fait 7 yellowrium quand même. Hop, voilà, très bien. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Bah, parfait. Ensuite. On a dit de la redstone. La redstone, on va prendre la redstone. Voilà. Bah, ça sera épisode craft. Et on commencera Big Reactor la prochaine fois, je pense. Hein. Mais du moins, là, j'aimerais bien crafter un peu tout ce qu'il faut. Ça pousse pas. Hein. Du coup, le contrôleur. Réacteur contrôleur, Yellorium, réacteur, casing. Ouais, très bien. Ok. Donc c'est ici. Hop, on va aller là. Ici. Voilà. Donc on a dit réacteur contrôleur ici comme ça. Donc c'est 4 réacteurs casing. 2 yellowrium que je n'ai pas encore. Une redstone ici. Et le diamant ici. Le yellowrium, on va le prendre.
Il est là. 6. Hop. Et on va le poser comme ça. Tada! Et ça nous fait le Reactor Controller. Ensuite, il va nous falloir... ça, je sais pas à quoi ça sert. On fera tout, peut-être. Ouais, tout ou pas, non. Computer, ça doit être avec Computer Craft. Un mélange. Turbine. Je sais pas à quoi servent les turbines. On verra ça plus tard. Cyanitre au processeur. Réacteur créatif coulant de port. What? Je ne suis pas assez renseigné, je pense. Bon, ça, c'est facile aussi. Un piston, un chest. Le piston, ça se fait comment déjà? Du bois, des cailloux et du fer. Ouais, okay. Ça, on va prendre. On va prendre un peu de bois. Est-ce que j'en ai? J'en ai ici. Et du fer, du fer, du fer. Il y en a là, du fer. Tac. Redstone. Là, comme ça. Il m'en faut qu'un. Hein. Non, il m'en faut deux. Hop. Ensuite, donc deux redstone, du coup. Voilà. Ça, comme ça. Et c'est ça? Non, je sais plus. Je ne sais plus faire un piston, mon Dieu. Ah oui, bah oui, deux fer. Je suis con. Tac, tac. Et ça nous fait deux pistons, voilà. Ok, il me manquait un bois. Hop. Donc, un chest. Le chest, on va le faire. Je vais pas me faire chier. Voilà. Hop. Du coup, il m'en faut deux. Et ensuite, on a dit, hop, comme ça, comme ça. Voilà. Alors, on va mettre les deux. Deux réacteurs. Et un piston. Enfin, deux pistons. Hop. Et ça nous fait deux réacteurs access port. Voilà, le port PORT, hein, pas le port PORC comme le bacon. Évidemment. Ensuite, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Yellowium Fuel Reactor. Du fer, du graphite et du yellowium. Il me reste du yellowium, je pense. Ouais, c'est bon. Il va m'en falloir 3, je pense que ça devrait suffire. En soi, on n'en a même pas besoin de 3, 1, ça suffit, il me semble. Le graphite, j'en ai pas assez. Donne-moi du graphite. Voilà. Merci. Très gentil de ta part. Hop. Tac, c'est ça. Et du fer. Du fer. Hop, voilà. Bon, on va faire comme ça, ça va aller plus vite. Et nous avons nos Yellowium Fuel Rod. Et c'est le bordel dans mon inventaire. Tac, tac, tac. Les Reactor Casing, on va les mettre là. Les Reactor Access, on va les mettre là. Et le Reactor Controller, on va le mettre là. Ça, on s'en fout. Très bien. Du coup, après, il va nous falloir les Reactor Glace. Et en fait, c'est tout. Hein. Voilà. Réacteur coulant port, access port. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Aucune idée. Ça, c'est pour faire du liquide, à mon avis, je pense. Ah, c'est possible que ce soit intéressant. Mais on verra plus tard. Donc, du coup, il va nous falloir ça. C'est bon, ça, c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Du coup, maintenant, ça va être les réacteurs glace qui se font avec des réacteurs casing et des glaces, ok. Et réacteur casing, donc il va me falloir massier l'orium. Et je préparerai tout ça dans le prochain épisode, hein. Pas besoin de se presser non plus. Des épisodes assez courts, c'est bien aussi. Hop. Tiens, on va faire hop. Et hop, voilà. Parce que de toute façon, il va me falloir masse yellowium, et c'est pas pour tout de suite. Hein. Le yellowium, ça pousse à sa vitesse, ça pousse tranquille. Mais c'est pas la folie non plus. Hein. Du coup, merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode où on a tué l'Under Dragon.
La prochaine fois, on verra l'œuf éclore, on verra le... Oh, il fait des bruits. Il va éclore déjà? Non, 2500. Il reste encore la moitié presque. Donc la prochaine fois, on verra, je ferai une petite plateforme pour Big Reactor, histoire que ce soit assez joli quand même. On verra l'œuf qui aura éclos. Et ce sera déjà bien. Hein. Eh ben, merci à tous de m'avoir suivi. Bisous à tout le monde. Bye bye. Thank you.